Ce samedi 9 janvier à Poitiers, il y avait à nouveau du monde dans la rue pour dire notre rejet des politiques liberticides du gouvernement. Cette manifestation était appelée par un collectif d'organisations, rassemblant largement partis politiques de gauche, organisations syndicales, collectifs et associations. Le NPA est bien entendu partie prenante de cette lutte depuis le début. Nous voulions, toutes et tous ensemble, rappeler notre opposition totale aux trois projets autoritaires du moment portés par Macron et son gouvernement. D'abord la loi sécurité globale, qui vise à renforcer l'impunité policière en empêchant, par exemple, de filmer les violences de ces derniers. Ensuite, les trois décrets du 2 décembre 2020, qui ont pour but un fichage massif des militants. Enfin, la loi dite sur le séparatisme, ou en défense des valeurs républicaines, qui, en plus de permettre la casse des associations, si celles-ci ne répondent pas aux valeurs républicaines qui ne sont pas citées, est aussi une loi qui vise à stigmatiser les musulmans. Nous étions à nouveau nombreux et nombreux ce samedi, environ 400, et ce malgré les fêtes qui nous ont coupé des manifs de novembre-décembre 2020 qui avaient lieu chaque samedi. La lutte continue, dès la semaine prochaine, battons le pavé pour nos libertés fondamentales.